Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler de l'immobilier en 2023, ce qu'il va se passer. Alors bien entendu, c'est ce qu'il va se passer selon moi, c'est mes prédictions. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi et l'espace commentaire en dessous de cette vidéo est là pour débattre tous ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'offrir un guide pratique qui te donne les 12 villes où, selon moi, il faut investir en immobilier en 2023. Tu le retrouves directement en lien dans la description. C'est gratuit, c'est offert. Au niveau du plan de cette vidéo, on va la scinder en trois parties. La première, ça va être les prix de l'immobilier. La deuxième partie, ça va être les crédits immobiliers. Et la troisième partie, ça va être concernant le krach immobilier qui est imminent. Première partie, les prix de l'immobilier. Les prix ont flambé ces dernières années depuis l'année 2020 avec des années très particulières. On a pris par exemple plus de 10% d'augmentation en 2021 sur les villes comme Reims, Tours, Angers, Brest et Poitiers par exemple. Et au niveau de Paris, on a eu une légère augmentation, mais ça reste assez stable. Mais il y a eu une grosse correction finalement sur des petites villes qui étaient vraiment pas chères et qui ont pris énormément en 2020, 2021 et 2022. Nous sortons d'une année 2022 qui a été très difficile pour pas mal de monde avec tout ce qui a été crise Covid, pénurie, événements en Ukraine. Donc ça a été une année compliquée, beaucoup, beaucoup d'inflation. Normalement, sur une année, on est à 1-2% d'inflation et en 2022, on va être à 5-6% d'inflation sur une seule année. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et si ton salaire n'a donc pas augmenté depuis l'année dernière de 5 à 6%, tu as perdu en pouvoir d'achat et tu continues à perdre de l'argent chaque jour. Comme je l'ai dit précédemment, en 2021, on a vécu une année record au niveau hausse des prix. En 2022, ça a été assez stable et selon moi, on va continuer dans cette direction pour l'année 2023. C'est mécanique, on est dans une période de forte inflation. En 2023, je pense que ça va continuer. Et inflation veut dire quoi? Veut dire augmentation des prix, veut dire diminution de la valeur de notre devise qui est l'euro. Et mécaniquement, ça fait augmenter les prix de l'immobilier. Je pense qu'on ne sera pas sur des très grosses augmentations, mais on sera sur une légère hausse pour 2023. Un point important sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est le fait que les prix de l'immobilier augmentent beaucoup plus vite que les salaires, d'où la nécessité vraiment d'investir dans l'immobilier pour ne pas perdre d'argent. Le gouffre entre les différentes classes sociales ne fait que s'accroître, donc il faut vraiment se tourner vers l'immobilier. Selon moi, le marché immobilier pour 2023 sera un petit peu plus compliqué pour les débutants. Pour ce faire, j'ai décidé de t'offrir une heure de formation gratuite. Tu la retrouves également dans la description et tu pourras commencer à comprendre les bases, les mécanismes pour te lancer plus sereinement en 2023. Ce qui fait également que pour moi, les prix vont continuer à légèrement augmenter, c'est qu'il y a pas mal d'autres investissements un peu alternatifs. Crypto, bourse, NFT, ce genre de choses-là. Sauf qu'une action en bourse, elle peut perdre 30% de sa valeur en une seule journée. Ça ne peut pas arriver sur un bien immobilier. Et donc, l'immobilier reste une valeur refuge pour pas mal d'investisseurs qui veulent sécuriser leur argent et leur patrimoine. Si tu es débutant, il faut te lancer dans l'immobilier en 2023. On est d'accord, c'est plus compliqué. Il y a des choses qui changent un petit peu par rapport au crédit immobilier. On va en parler par la suite. Les prix sont un petit peu plus élevés, mais c'est toujours, toujours possible. En immobilier, il faut faire parler les chiffres et pour toi, j'ai un troisième cadeau. C'est un calculateur de rentabilité simplifié que je t'offre gratuitement. Encore une fois, tu as le lien dans la description. Deuxième point dans cette vidéo, les crédits immobiliers. Alors, on a vécu des années très faciles au niveau des taux d'emprunt et puis des durées, des conditions, etc. de 2015 à 2020 en gros. Et depuis les événements qu'on a connus géopolitiques mondiaux, les taux des crédits immobiliers sont remontés. Le HCSF a décidé aussi de serrer un petit peu la vis et donc le robinet du crédit s'est un petit peu fermé, mais il est encore possible d'emprunter. Malgré les règles que nous impose le HCSF, les banques peuvent déroger à ces règles pour 20% de leurs dossiers. Et mon but pour mes élèves, pour toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu sois dans les meilleurs dossiers possibles. Et mes élèves en sont la preuve, ils empruntent encore avec du différé sur 25 ans, pardon, avec des taux d'apport qui sont de 2-3% d'apport, voire même du sans apport dans certains cas. Donc, quand tu fais les choses bien, que tu appliques les bonnes méthodes, que tu sais te présenter ton dossier bancaire et convaincre le banquier, c'est toujours possible d'emprunter avec de bonnes conditions. Mon but, c'est que vraiment tu sois dans les tops des dossiers des banques, que tu continues à investir et que tu continues vraiment pleinement ta carrière d'investisseur immobilier. Concentre-toi sur ça, sois focus. Oublie tous les articles alarmistes, oublie tout ce que disent les médias, soigne ton dossier, ta situation financière, fais en sorte de savoir négocier, de transformer des petites
des petits taudis finalement en pépites, en machine à cash. Troisième point dans cette vidéo, le crack immobilier. Alors je t'ai dit que pour moi les prix allaient rester un petit peu stables, voire légèrement augmenter, mais je pense vraiment qu'on va atteindre un point de rupture et qu'il va y avoir un crack immobilier sans précédent. Alors ça c'est très drôle parce que c'est la phrase que j'entends tous les ans depuis que je me suis lancé et depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, donc depuis les années 2017-2018, il y a toujours des articles, toujours des gens qui viennent dans les commentaires, qui font des reportages sur le fait que cette année, ça y est, c'est le crack immobilier, c'est la crise immobilière, tout va baisser de moitié. Et en fait, ces gens, ben en fait, ils veulent avoir raison un jour. Et en fait, en mettant toujours le même commentaire sur toutes mes vidéos YouTube tous les ans, il y a un jour, ils auront peut-être raison. Et même, ça se trouve, ils auront peut-être jamais raison. Mais le fait est que ces gens-là, ils n'investissent pas dans l'immobilier sous prétexte qu'ils attendent une crise, sous prétexte qu'ils attendent que les prix baissent. Mais en plus de ça, ils racontent n'importe quoi. Pour l'instant, les prix ne baissent pas. Et en plus, je suis sûr que ces petits malins, même si les prix baissaient, ils n'y connaissent strictement rien. Donc, ils n'investiraient pas et ils ne feraient rien du tout. Ça ne sert à rien d'attendre. Il n'y aura pas de crack immobilier monumental comme tout le monde le prédit. En tout cas, c'est ma conviction. Ça ne sert à rien d'attendre. Tu dois investir, tu dois comprendre les mécanismes de l'immobilier, comment gagner de l'argent et être rentable. Le crack, tu peux l'attendre très longtemps. Ça se trouve, il n'arrivera jamais. Tu n'auras peut-être jamais raison sur le fait qu'il y aura un crack immobilier. Personne ne peut le prévoir. Mais si tu investis intelligemment avec les bonnes méthodes, tu ne seras pas impacté. À toutes les personnes qui parlent de crack immobilier, de crise immobilière en 2023, je vais prendre un exemple simple que je prends à chaque fois et en général, personne n'a la réponse pour me contredire. L'exemple est très simple. Tu achètes un appartement à 100 000 euros, tu mets un locataire en place qui te paye, mettons, 800 euros par mois. Les prix de l'immobilier baissent. Ton appartement ne vaut plus que 80 000 euros. Le bien vaut 80 000 euros. Donc, ok, ben, il valait 100 000, il vaut 80 000. Sauf que ton locataire, ben, il a toujours ses études, il a toujours besoin de se loger, donc il reste dans ton bien immobilier. Toi, tu as fait tes calculs avec un bien acheté à 100 000 euros, avec tes charges, avec tes mensualités. Tu fais du cash flow tous les mois. Tu as toujours ton loyer qui rentre. Peu importe que ton bien, il vale 80 000 euros, 100 000 euros, 120 000 euros. Tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu d'argent. On le voit bien si on regarde les statistiques. Depuis les années 1900, les prix de l'immobilier ne font qu'augmenter. Certes, il peut y avoir quelques petites vagues avec quelques petites crises, etc. Mais l'immobilier, les prix finissent toujours par remonter. En conclusion, pour moi, c'est vraiment le moment de se lancer en 2023 si tu n'es pas encore lancé. Si tu es débutant, ça va être un petit peu plus difficile, mais c'est toujours possible et les personnes qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu sont celles qui vont réussir à emprunter malgré des taux élevés, malgré des conditions bancaires un petit peu compliquées. Et le principal, c'est de décrocher son crédit, d'investir, d'avancer pas à pas, de prendre du recul et d'enchaîner les biens. C'est ces personnes-là qui vont faire la différence et avancer vers leurs objectifs. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense à me dire ce que tu penses dans les commentaires comme je te l'ai dit en début de vidéo. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est le moment de me le dire et c'est le moment de venir débattre. Je serai ravi de te lire et de te répondre. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.